Bonjour à tous et bienvenue dans notre bulletin tricot. C'est un rendez-vous qu'on est très heureuse de vous proposer, qu'on avait envie de créer pour pouvoir partager avec vous une de nos grandes passions, le tricot, la laine, les petits moutons. Je suis Émilie, sur Instagram vous pouvez me retrouver sur le compte de Fil en Page. Et moi je suis Cynthia et vous pouvez me retrouver sous le nom de From Cynthia sur Instagram. Voilà, donc aujourd'hui c'est un premier épisode, alors ça cafouille un peu. On a envie de tourner ce podcast, nous est venu il y a plusieurs mois, mais on vit dans des villes assez éloignées l'une de l'autre, donc c'était pas forcément évident. Mais nous avons la chance d'avoir en commun une région dans laquelle nous avons vécu il y a plusieurs années et dans laquelle on a toutes les deux un petit point de chute, qui fait qu'aujourd'hui on a pu se retrouver ici. Oui. On a apporté avec nous pas mal de bazar, les animaux et du décor pour pouvoir tourner le générique. C'est comme ça qu'on a commencé la journée. Alors aujourd'hui c'est un peu notre galop d'essai. On y a mis tout notre cœur, mais faut reconnaître qu'on n'est pas forcément super expérimenté par rapport à la caméra notamment. Notre objectif c'était de se présenter et de vous expliquer comment on s'était rencontrés et ce qui nous avait amené à tourner ces images aujourd'hui. Alors nos premiers échanges ont eu lieu il y a un an à peu près. Je m'occupais à l'époque pour la première fois de l'organisation des ateliers pour le festival Knit It aux côtés d'Emma et Nathalie qui sont les fondatrices de Knit It. Et j'ai du coup découvert la candidature de Cynthia qui souhaitait animer des ateliers autour de ces designs. Et on a commencé à échanger, voilà, dans ce cadre-là. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait cette région commune qui nous réunissait aussi. Et on a réussi à se voir une première fois dans ce contexte-là. Voilà, en dehors de la préparation du festival. Et on s'est aperçu qu'on avait pas mal de choses en commun, que ce soit autour du tricot, mais aussi de la littérature jeunesse, de plein de choses. Parcours. On avait aussi une envie de mettre en place quelque chose d'un peu dynamique autour de ce qu'on faisait, de nos activités, et voilà, donc... On a pensé à la vidéo. On a pensé à même la vidéo. Si c'est pas notre zone de confort. Ça se voit. Oui, de sortir un petit peu des cases d'Instagram où chacun a son espace. Et bien là, on avait envie de se retrouver. Un peu, de mêler nos univers. Et on a envie par la suite de faire d'autres épisodes dans lesquels on va s'améliorer en organisation, construction. Mais... Alors on a des idées déjà, voilà. Pour se structurer. On a plein d'idées, plein de rubriques. On a envie de parler de beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, on va plutôt s'en tenir à présenter comment on a un petit peu travaillé autour du générique. Oui, ouais, parce que ça a été quand même un gros morceau. Ouais, et puis il représente bien aussi ce que nous sommes. La rencontre de nos univers. Voilà, c'est ça. Donc dans le petit générique, vous avez pu retrouver deux petites brebis. Qui ont été tricotées d'après le modèle qui se trouve dans mon livre qui s'appelle Mouche et ses amis. Je vais vous montrer. Donc dans ce livre-là, on voit à l'envers, ça c'est le problème. Ah, ça c'est le problème. Ah non, mais je crois qu'après ça ira. Bon, ok, voilà. Donc ça c'est la petite brebis qui est issue de ce livre qui s'appelle Aggie. Celle-ci c'est celle que... Bon, elle va poser sa tasse pour l'occasion. Que j'ai tricotée. Donc là, elle porte pas son habit d'origine qui se trouve dans le livre, mais c'est la petite brebis qui est dans le livre.
Voilà, là, sa petite toison. Tac. Son petit gilet de berger. Voilà. Très, très à la mode. C'est ça. Et la seconde petite brebis, eh bien, c'est celle que Émilie... Alors, c'est moi qui l'ai tricoté à partir donc, du patron de Cynthia. Alors, elle va poser sa tasse aussi. Voilà. Voilà. Et puis, alors moi, je... Voilà, elle est un petit peu articulée. Ouais, alors elle est articulée parce qu'on s'est rendu compte aussi en parlant qu'on avait on aime toutes les deux, je pense qu'ils touchent beaucoup à l'enfance, et parmi ça il y a la littérature jeunesse, mais il y a aussi le dessin animé, le stop motion. Et après qu'Émilie ait tricoté cette première petite brebis, elle a commencé à faire des petites vidéos, des petits réels sur Instagram. Je me suis bien prise au jeu, et puis j'ai eu envie d'aller voir un peu plus loin, parce que le format Instagram c'est sympa, mais ça se fait tout seul. Et moi, j'avais envie de voir comment faire, mettre bout à bout des images et les animer. Mmh. Donc, je me suis vraiment plongée dans le sujet, et ça a permis, voilà, de en échangeant... Disons qu'on s'est dit que si podcast il y avait, il y aurait probablement un générique... qui présenterait ces petites bêtes, et ce serait l'occasion de les animer. De les animer, d'utiliser aussi du coup le tricot. Donc voilà. Donc ça, c'est leurs petites écharpes. Leurs petites écharpes que vous avez pu voir se construire. Voilà. Donc ça a été notre premier objectif, de se dire on se consacre à ce générique. Ça a été un objectif ou un prétexte, je ne sais pas trop, mais voilà, presque, c'était l'occasion de le faire et de se lancer. Donc c'est pour ça que cette petite brebis est articulée, parce que Émilie a travaillé sur le principe du stop motion. La mienne ne l'est pas, parce qu'on n'a pas voulu aujourd'hui la torturer pour le tournage. Elle n'était pas articulée au départ, donc on n'a pas ajouté les petits fils de fer pour l'animer. Alors la mienne n'était pas articulée non plus au départ, mais elle a vécu une opération, je glisserai quelques images. Voilà. Pour pouvoir participer au casting, voilà, du générique. Et moi, de mon côté, ça a été aussi l'occasion de faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, à savoir fabriquer du mobilier, enfin commencer à fabriquer du mobilier aussi à la bonne échelle pour mes personnages. Et voilà, du coup, comme Émilie était sur la mission stop motion, moi je me suis mise sur la mission fabrication des fauteuils pour nos deux petites brebis tricoteuses. Donc l'occasion de découvrir, enfin de se plonger un petit peu dans le papier mâché, le bricolage. Voilà, c'est fait complètement de récup avec du carton, du scotch. Je pense qu'on pourra mettre aussi une ou deux photos, même si quand je fais ces choses-là, j'ai tendance à ne pas toujours prendre suffisamment de photos, mais je pense qu'on pourra en mettre une ou deux. Donc. Au cours de ce podcast, on aimerait vous parler forcément de tricot, puisque c'est quand même le point de départ de cette rencontre. Mmh. Donc de nos encours, des laines qu'on aime utiliser, des matériaux et des outils aussi. Oui. Hein. On présentera à l'avenir un peu les aiguilles, les objets qui entourent notre pratique du tricot. On parlera de technique parfois, si c'est une technique qu'on a découverte, qu'on a envie de partager, des choses qui peuvent être montrées. Des coups de cœur pour certains designs ou créateurs. Ou pour des laines. Qu'on a eu l'occasion d'essayer. On aimerait aussi partager avec vous d'autres choses que le tricot, ce qu'on aime lire, parce que ça fait partie aussi des points qu'on a
en commun, la lecture. Ouais. Alors, la lecture, parfois en lien avec le tricot. La littérature jeunesse aussi. Ouais, beaucoup la littérature jeunesse. Ça nous rassemble aussi. Voilà, les romans en général, mais c'est vrai que beaucoup la littérature jeunesse. Les livres qu'on s'est conseillés, sur lesquels on a eu des coups de cœur, avec lesquels on a passé des bons moments. Et puis, on aura aussi l'occasion, au cours des prochains épisodes, de sortir, ouais, d'aller visiter des lieux et de vous faire partager ça, des rencontres, ouais, avec d'autres, ouais, passionnés. Voilà, c'est ça. Donc, soit dans le cadre de boutiques qu'on irait voir, de, oui, villes, de festivals. De moments de partage, ouais, de ses activités. Voilà, un peu d'extérieur, disons que voilà, on a envie de mettre le nez dehors, puisque c'est ce qu'on essaye nous-mêmes de faire régulièrement, parce que ça fait du bien, donc on essaiera de rapporter ces images aussi dans le podcast. Mais pour aujourd'hui, donc même si on a envie de tout ça pour le futur de notre podcast, pour aujourd'hui, on a décidé de rester modeste dans notre objectif, parce qu'on savait que ce serait difficile de se lancer et que si on avait attendu d'avoir vraiment tout ça pour se lancer, on ne se serait jamais senti prête. Et je pense que c'est en faisant qu'on va être de mieux en mieux. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va vous montrer quelques encours. Ouais. Vous verrez que j'ai souvent plus des petits animaux en cours qu'autre chose, parce que c'est mon activité principale. Donc j'y consacre beaucoup de temps. En ce moment, j'ai donc je suis en train de tricoter une version un petit peu XL d'un des personnages de mon livre, qui est le personnage principal, qui s'appelle Mouche, qui est l'ours que l'on trouve dans mon livre. Voilà. Ouais. Alors, on va juste comparer. Bon, ouais, dans la réalité, il est plus grand. Mouche, ouais, il est plus grand que la brebis. Mais bon, là, voilà. Ça donne quand même une petite idée de, voilà, la différence d'échelle. Donc, en fait, j'ai eu envie de le tricoter en grand pour... moi, j'adore tout ce qui est miniature. J'aime beaucoup tricoter serré et avoir des petits personnages. Mais je trouve que c'est aussi une sensation très différente d'avoir un tricot plus souple. Enfin, je l'ai tricoté, oui, avec une tension un petit peu plus lâche et un plus grand format. On n'a pas du tout, au final, le même objet en main. C'est-à-dire que là, on va plus se retrouver quelque chose qui va ressembler à un gros nounours, une peluche, plus qu'une poupée miniature. Oui. Ou, voilà. C'est pas la même approche. J'ai eu envie d'en faire un comme ça après un des ateliers que j'ai animé en Hollande, et une des participantes avait emmené un ours qu'elle avait tricoté. Enfin, elle tricotait très, très lâche, et tout en tricotant avec des aiguilles fines et une laine fine, elle arrivait à avoir un gros ours, et elle le tenait dans les bras comme une grosse peluche. Et voilà, ça m'a donné envie de changer un petit peu d'échelle et de passer à autre chose. Donc, du coup, là, c'est quel type de laine, enfin, au niveau catégorie? Ouais, c'est une laine, en fait, qui a à peu près 180 mètres pour 100 grammes. Et la taille d'aiguille. Et je tricote à peu près en 4 mm. Donc, oui, donc c'est fait le double des brebis qui, elles, sont en 2. Ouais, c'est ça. Ça fait le double. Donc je pense qu'on devrait arriver à quelque chose. Oups, une sorte du 4 qui sera à peu près gros comme ça. Donc là, je l'ai rembourré juste momentanément. Il n'est pas du tout dans sa forme définitive, mais j'aime bien rembourrer au fur et à mesure. Enfin, pas au fur et à mesure. J'aime bien rembourrer la tête quand elle est terminée, parce que ça donne vraiment ce plaisir d'avoir un animal qui est très vivant, et que même s'il est toujours sur les aiguilles, il y a déjà une présence voilà, qui est là. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai besoin aussi de... Quand je commence, dès que la tête est terminée, j'aime bien qu'elle reste rembourrée, voilà, même si je revide après pour refaire le rembourrage définitif. Ouais. Je trouve que c'est sympa d'avoir la tête qui est sa forme quasi définitive. Voilà, et même si on met un temps fou à le finir, comme moi ça m'arrive sur des projets, parce que ça c'est quelque chose que je fais, ouais, à côté d'autres choses, donc il va mettre un certain temps et terminer, et c'est pas grave.
il est déjà présent et les gens autour peuvent interagir. On voit que c'est pas une chaussette. Et voilà, on voit que c'est pas une chaussette. Et c'est ça qui est super sympa aussi, c'est que ça génère déjà plein d'échanges avant même qu'il soit terminé. Et ça, c'est un mélange d'alpaga et de mérinos, si je ne me trompe pas. En fait, elle est très souple, très molle. Donc ça non plus, c'est pas forcément mes habitudes. C'est pas tes habitudes. J'ai plutôt tendance à faire du tricot assez ferme et dense pour les personnages. Mais ça va dans le sens de ce que je disais, c'est que lui va être tout moelleux. Ouais. Ouais, un nounours. Un bon nounours. Ouais, un bon gros nounours. Et il aura des vêtements ? Bah, il aura des vêtements, oui. Je vais au moins lui tricoter, je pense. Soit la salopette. Dans le livre, en fait, il a mouche, dans le patron de mouche, il y a une salopette et un pyjama. Donc, comme c'est la fin bientôt de l'hibernation pour les ours, je vais peut-être plutôt tricoter la salopette. Oui, voilà, en pyjama. On le voit en pyjama ici. Et la salopette, je ne sais plus trop si on avait préparé la table des matières. Oui, là. Voilà, elle est là. Et le voilà en salopette. Voilà. Donc oui, je vais l'habiller sûrement après. Donc ça me tarde de le terminer la prochaine fois. Je me donne cet objectif de venir avec mon ours sur les genoux. Donc pas la semaine prochaine. Je pourrais me challenger quand même. Oui, mais voilà. Je suis une tricoteuse très très lente. Ouais, là-dessus, c'est bien trouvé aussi. Voilà. Je suis pas très rapide non plus, donc. On croit toujours que je dis ça en exagérant, mais je suis vraiment très lente au niveau de mes gestes. Oui, mais tu designes en même temps souvent. Parfois, même. Enfin, oui, mais c'est pas forcément que pour ça. C'est aussi parce que je tricote. Oui. J'ai un geste lent. Oui. Je pense que je lâche beaucoup le fil à chaque fois. Pas de méthode continentale. Non, je suis pas une rapide. Mais j'éprouve de moins en moins le besoin d'être rapide, en fait. Oui. Voilà. À part surtout pour ces personnages-là. Oui. Oui, ça fait partie de l'éloge de la lenteur. Exactement. J'en présente un aussi. Alors, mon alterne, moi, ça va être aussi un animal. Parce que j'avais dit que j'ai trois gros encours, qui datent, certains, de plusieurs années. Et je m'étais fixé, il y a quelques semaines, l'objectif de ne rien démarrer d'autre. Eh oui. Sauf que les départs en vacances, ça veut dire voiture, et puis les encours que j'ai qui sont plus gros en voiture, c'est pas pratique. Ça veut dire un tas d'excuses. Alors, du coup, j'ai pas résisté et j'ai monté un petit lapin. Donc, le petit lapin, d'après le modèle de Cynthia, le Bunny Odile. Voilà, je la trouve vraiment trop mignonne, trop chouette. Et la tête est complète, enfin est rembourrée aussi, parce que je trouve que tout va tout de suite, elle a tout de suite plus de personnalité, et le tu tricot, tu peux pas la laisser tomber là, voilà, on peut pas s'arrêter. Ouais. Voilà, je suis obligée là de poursuivre, de faire la deuxième oreille, et puis je vais enchaîner avec le corps, et puis tant pis pour les autres en cours. Donc, elle est tricotée en 2 mm, comme préconisé dans le patron. La laine, c'est de la laine de chez Laine Paysanne. Oui, c'est ça. Que tu m'avais gentiment donnée. Et j'ai utilisé les aiguilles double pointe. Je ne suis pas hyper à l'aise encore, mais j'aime bien l'idée. Après, je me pique beaucoup les mains. Et là, tu n'en utilises que 3. Là, j'en ai que 3. Et la quatrième, enfin, j'en utilise 4, mais là, elle est sur 3. D'accord, t'en utilises pas 5. Pour cette partie-là, mais je pense que je passerai sur 5 quand le corps sera plus large. D'accord. Mais voilà. Bon, je suis passée comme ça, mais je viens entre les doubles pointes, la Magic Loop, là, sur les petites. Et puis les Adi Crazy Trio. Oui, les doubles pointes flexibles. Ouais, ce que j'utilise aussi beaucoup. J'alterne un peu toutes les techniques. Et puis j'ai fait la broderie du petit museau, et ça, c'était pas
ce avec quoi je suis le plus à l'aise, mais finalement ça va. Ouais, hein, il est très voilà. Mignon. Et puis les petits yeux, ben, j'ai pas d'autres types d'yeux, donc c'est les mêmes sur tous les animaux, mais ça va encore. Voilà pour mon encours. Elle est très jolie et t'apprécies quand même les doubles pointes. Oui, ça oui, reste, non, j'apprécie, j'aime bien l'idée des doubles pointes qui sont en fait. J'ai une amie qui m'a dit mais tu fais tout à l'envers parce qu'en fait normalement les gens démarrent avec des doubles pointes et puis après ils découvrent la magic loop et puis un truc plus moderne et en fait moi je reviens en arrière. Oui, ou pas, parce que ceux qui sont très à l'aise avec les doubles pointes et souvent aiment rester sur les doubles pointes. Ouais. Et trouve ça beaucoup plus pratique. Moi je dirais que le magic loop c'est presque plus rassurant pour quelqu'un qui débute. Oui. Qui n'a pas de. Qui par ailleurs ne tricote pas avec les doubles pointes et qui veut se lancer dans le tricot de petits tubes, de petites circonférences, oui. Il est plus rassuré avec le Magic Loop. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis même pour placer les anneaux marqueurs sur la. Voilà, l'anneau peut rester en place sur la boucle, alors qu'avec les doubles pointes, on a quand même le souci de. Il faut placer ses repères autrement en fait, c'est ça. Par rapport aux indications des patrons en général. Mais j'aime bien l'idée de ces petites aiguilles et puis j'ai l'impression d'être quand même moins crispée dessus que sur les petites courtes en magic loop. Oui, et on a l'impression de revenir à une technique un petit peu ancestrale. Justement de s'éloigner un petit peu la modernité de la technique du magic loop, ça donne. Et c'est pour ça que ça fait un peu machine arrière en fait, par rapport à la magic loop et aux aiguilles circulaires. Voilà pour mon premier cours. J'enchaîne avec le deuxième et puis tu nous montreras. Allez, vas-y. Le deuxième c'est un des pulls sur lesquels je travaille. Et que j'avance pas. Donc, à cause de Benny Odile et puis de plein d'autres choses. Donc là, c'est un débardeur. C'est un modèle d'Emma encre violette, Emma Duché. C'est un débardeur donc en jacquard avec une partie d'intarsia au milieu. Et la raison pour laquelle j'avance pas, c'est que je m'en mêle un peu les pelotes. Donc, je m'en mêle les pelotes et puis je me suis un petit peu un peu trompée sur la dimension de l'emmanchure là. Et du coup, je crois qu'il faut que je défasse une partie, que je refasse mes côtes et que je prolonge le devant et le dos du débardeur. Parce que là, c'est pour ma fille, pour ma fille aînée. Et clairement, l'emmanchure est trop courte. Voilà. Donc, il faut que je reparte en arrière. Et je l'avais emporté avec moi en me disant que je profiterais de mes vacances pour le défaire et avancer. Et puis, en fait, j'ai fait un lapin. Donc, en ce moment, c'est du questionnement. Mais sinon, je trouve ça super chouette de travailler le jacquard. Alors, de travailler les lignes, les horizontales, les rayures. De travailler le jacquard intarsia au milieu, et puis il y aura après des lignes verticales pour faire une sorte de tissu façon tartan, tissu écossais. Ouais, donc tu dois ici les ajouter encore après. Voilà, et après elles se rebrodent par-dessus en fait. D'accord. Un peu comme le principe de la robe d'Agui au crochet, les lignes verticales là de la robe, elles sont brodées au crochet, une sorte de maille chaînette. C'est ça. Ouais. Et là, ça va être pareil, en fait. Oui. Donc, une fois que le pull est terminé, ça va être au crochet aussi. Au crochet. Je vais remonter le long du devant à différents endroits pour faire le quadrillage. Et pour ce qui est de la laine, là, c'est une laine bien rustique. Mmh. C'est la laine de Céline de la fabrique Poveda. Donc, c'est une laine que j'ai achetée lors du dernier Knit It. Où le pull était présenté sur le stand de Céline et du coup ma fille a craqué sur le modèle pris le tout, voilà, le patron, la laine, et puis il faut que je m'y mette quand même parce que elle attend son pull. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il faut préciser qu'elle ne va pas grandir. C'est non, une voilà, fille. C'est une grande fille. Elle est arrivée à taille réelle. Voilà, elle a sa taille adulte. Donc, elle peut quand même attendre un petit peu, mais elle a sûrement très envie de l'avoir. Voilà, à toi. À moi. Donc, moi, j'ai
Je travaille en ce moment, bah, j'en ai deux oui. autres. Oui. Voilà, c'est un petit lapin qui a été développé au départ pour les ateliers. Oui. Pour avoir un petit personnage sur lequel on pouvait avancer assez rapidement pour apprendre les techniques nécessaires pour les tricoter. Et bah, là, il va devenir un patron à part entière. Donc pour les ateliers, bah, je proposerai sûrement après un autre petit personnage. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Et du coup, bah, surtout sur les vêtements. Voilà, il faut que je lui crée une garde-robe. Donc, on commence avec... un short. C'est pas un short sur lui. Ça fait quoi? C'est un petit pantalon, pantalon large. Voilà, c'est un pantalon large. Super mignon. Donc, avec un petit gilet en côte bien moelleuse. Une petite Fisherman Ribs. Voilà, donc moi je suis occupée là-dessus, sur ces petits sur la panoplie. Sur la panoplie, exactement. Donc, et là-dessus, je travaille avec les laines de Saskia, Dovis, etc. Donc, qui est une teinturière hollandaise, avec qui je travaille depuis longtemps, puisque j'ai fait Bunny Odile avec elle au départ, et un certain nombre d'autres projets, donc... Nana, et oui, Nana, dans le livre, hein, la Nana qui vient du livre Mouche et ses amis, donc avec les petits sets de Saskia. J'aime beaucoup travailler avec Saskia parce qu'elle adore les minis échevaux, elle adore les palettes de couleurs. Et voilà. Voilà, ça c'est voilà, c'est ça. Et c'est pas les minis échevaux, c'est beaucoup de travail à faire. Donc on n'en trouve pas forcément chez tous les teinturiers parce que c'est compliqué. Mais elle aime tellement ça, Saskia, qu'elle en édite souvent, même si c'est beaucoup de travail. Et bah moi, ça me donne l'impression à chaque fois d'avoir une boîte de crayons de couleur, quoi, un truc tout nouveau que je peux ouvrir et avec lequel j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Et puis avec des combinaisons de couleurs voilà. qui sont nouvelles à chaque fois. Et, ouais. Donc à chaque fois qu'elle en remet sur son site, même quand j'ai déjà fait, même après avoir créé Nana, j'ai envie d'en reprendre un pour recommencer. Et j'aime beaucoup, c'est un plaisir d'utiliser cette laine. Et là, c'est marrant parce que les petits... qu'on utilise pour la robe de Nana. Alors, on pourrait le faire avec plein de petits restes. Hein. C'est pas... C'est un des principes et un des plaisirs aussi de ces petits personnages, c'est de pouvoir utiliser des restes. Mais là, ce qui est sympa, c'est que Saskia, en fait, elle rassemble, elle collectionne pendant un certain temps les écheveaux, les coloris qui sont soit épuisés ou alors qui ne sont pas devenus des coloris à part entière ou ceux dans lesquels elle n'a plus assez de quantité, elle les garde pendant un certain temps, puis toutes bases confondues. Donc, ça peut être différentes épaisseurs, ça ne s'éloigne pas trop, mais ça va. Ça reste on peut les tricoter avec les mêmes aiguilles, serrées, on n'a pas besoin de changer. Voilà, mais c'est différentes bases. Pas la même chose, ouais. Et après, bah, elle fait ces petits sets en fait, qui s'appellent les etc. sets, je crois, et qu'elle met en commercialisation, et voilà, et on a envie de. Ouais. De les collectionner. C'est un petit peu c'est un de mes points faibles, moi, les ensembles de minis et chevaux. Ouais. C'est quelque chose que je peux recommencer. Oui, mais après, pour toutes les panoplies de vêtements, t'en as l'usage. Voilà, c'est ça. Que de la collection. Non, c'est pas que de la collection. Puis ce qui est sympa, c'est que quand ça vient d'une teinturière, il y a son univers, il y a sa palette. Et il y a une harmonie, il y a quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment joli. Quoi. Ouais. Donc, c'est jamais un mauvais achat. Bon, c'est tout. Non, c'est pas tout. T'as autre c'est chose. C'est pas tout. T'as pas rien pour toi. Si, j'ai quelque chose pour moi. Alors, Un vrai en cours. Un vrai en cours. Un vrai en cours. Voilà. Bah oui, ça aurait été dommage de ne pas le montrer. Ouais. Un truc plein de couleurs, plein de couleurs. Waouh. Voilà. Plein de fils. C'est un pull qui vient du livre 52 semaines de tricot facile. Alors, il est qu'en anglais, donc c'est 52 Weeks of Easy Knits, qui est publié par Len Publishing, Len Magazine. Et le principe de celui-ci, c'est simplement qu'on prend un fil de base. Donc là, moi, en l'occurrence, c'était le fil blanc.
On vient joindre des restes, différentes couleurs ou tout ce qu'on veut. À chaque fois qu'on joint une nouvelle couleur, on la tricote ensemble avec la couleur de base sur quelques mailles. Et du coup, après, il n'y a pas les fils à rentrer. On laisse l'ancienne. Et donc là, par exemple, si on regarde à l'intérieur, on voit les endroits où j'ai joint des couleurs, mais j'ai pas besoin de rentrer les fils parce qu'elles sont déjà prises en fait. Ils sont Sur déjà plusieurs pris mailles, sur plusieurs mailles. Donc sur le rang. voilà. Donc soit je vais les laisser comme ça, soit je vais les couper. Et voilà, au fil de l'eau, on joint les couleurs comme on en a envie. Donc, tu as deux fils tout le temps. Deux fils tout le Le temps. fil clair et la Le couleur fil que tu. principal et la couleur qu'on vient ajouter. Et de temps en temps, sur quelques mailles, les trois fils, Le l'ancienne trois, couleur, voilà, c'est l'ancienne ça. seconde couleur, la nouvelle seconde couleur et Voilà. la couleur de base. Ouais, donc c'est vraiment pour le coup, comme le titre du Très livre chouette. l'indique, un tricot facile, sans complications. La structure, j'ai bien aimé aussi, puisque les mailles sont montées au niveau du col, et après, on agrandit de part et d'autre de deux marqueurs pour créer la ligne d'augmentation. Donc ça crée un petit peu ce côté fausse couture que j'aime bien. Ah, c'est chouette. Ça fait une belle ligne d'épaule. Ouais, ça fait une belle ligne d'épaule. Et ensuite, au niveau des manches, alors normalement on commence par les côtes là directement, mais elles ne me plaisaient pas, elles étaient trop molles. Donc j'ai défait, j'ai Ah, repris les mailles d'accord. et je vais le Ok. refaire D'accord. après. Sinon, tu commençais par le Voilà, col. C'est sinon on vraiment commençait par le col, un mais j'ai top-down. choisi une laine qui était trop molle et n'avait pas de D'accord. tenue, donc je vais refaire l'encolure. Et au niveau des manches, bah, c'était facile aussi. Manches roulées comme ça. Ouais, mais du coup, c'est ça que je vais sûrement refaire aussi. Au D'accord. final, il est Il facile est au début, facile, mais mais. c'est-à-dire que là, on fallait reprendre les mailles pour Oui. tricoter tout autour de la manche. Et je me suis dit, je vais faire comme un petit t-shirt, je vais tricoter un petit peu, puis après, je le coudrai pour faire Oui. une petite finition sympa. Et finalement, je crois que je vais faire des vraies manches jusqu'au bout. Ah, d'accord. Voilà, donc je pense que je vais Ah oui. reprendre à nouveau Ah, et tu je vas faire des vais, manches longues en ouais, je fait. vais Tu faire ne vas un pas le vrai laisser tulle. un peu en Non. débardeur, quoi. Dans le modèle, Enfin. il n'est pas en débardeur de toute D'accord, ok. façon. Mais à un moment, j'ai eu cette impulsion de dire je vais Ouais. faire un débardeur. Ouais. Et puis finalement, non, je crois que Non, d'accord. il est tellement douillet que je crois que j'ai envie Oui, de d'avoir, l'avoir sur les bras aussi. voilà, sur les bras aussi. Ouais, mais la laine est très, très chouette. Oui, ça, c'est une laine vraiment basique que j'avais. C'est de la Drops. En Oui. fait, l'alpaga, je crois que c'est la Puna, celle-ci. D'accord. Et je l'avais achetée il y a Donc la longtemps, blanche, la la blanche. écrue. Je l'avais achetée il y a longtemps à mes débuts parce que c'est des laines qui sont assez Oui, abordables. moi Et j'ai voilà, je ne commencé savais beaucoup pas avec trop au ça aussi. départ vers quoi m'orienter. Donc j'avais cette laine depuis longtemps que je n'avais pas tricotée. Et c'était l'occasion. Du coup, j'avais toutes les pelotes dans la bonne quantité. Et après, le reste, c'est plein de petits restes. Donc il y a pas mal de petites boulettes des laines vilaines. Oui. Et C'est l'occasion de aussi des Marion, voilà ouais. des petites boulettes que j'avais collectionnées et je savais pas encore où elles allaient aller. Donc là par exemple le petit rouge grenadine, je le D'accord, trouve très très ouais, très chouette. chouette. Il y avait ce petit violet qui a des tons de marron aussi dedans. Ouais. Et puis il y a une laine multicolore que j'ai pris plusieurs fois. Donc j'ai créé une sorte de rythme de rayures en Très fait. chouette. Voilà. J'aime bien Donc la façon dont l'écru prend le domine parfois, mais Et d'autres pas tout fois, le c'est ouais, pas temps, tout le temps. non, parce qu'en fait, c'est la façon dont les deux fils Dont la façon dont ils sont s'entortillent, tortillés, ouais, c'est ouais. chouette. Ça Donc, fait. je pourrais le mettre, je pourrais l'enfiler pour montrer le tombé, mais Et ben, la prochaine il est fois, quand il aura sympa. des La manches. prochaine fois, voilà, je vous le montre terminé, j'aurai refait l'encolure et voilà. Donc, un petit projet très agréable, mais qui maintenant mérite d'être terminé. Voilà, histoire de passer Voilà, à autre passer à autre chose. chose. Voilà. Oh, très bien, super. Donc j'ai un engagement pour la prochaine fois. Voilà, bah, tu as deux engagements parce que Deux tu as ta mouche engagements. aussi, tu as le grand mouche et Voilà, le c'est pull. ça. Bon, Bon, et moi j'aurais le lapin, c'est sûr, le débardeur, je sais pas. Bon, bah Mais ça serait bien quand ce même. serait Ça bien, serait ouais. bien parce Ce qu'en plus serait ça fait bien. partie des thématiques dont on voudrait parler. Oui.
Donc, bon, on n'en dit pas plus, mais on avait en tête. Oui, non, bah, on peut. Voilà, oui, bon, on peut. Dans les techniques qu'on voulait aborder lors d'un prochain épisode, on pensait parler de la technique du jacquard intarsia. Donc, ça serait pas mal que j'ai fini le pull. Voilà, que tu puisses avoir un retour d'expérience. Voilà. Moi aussi, j'aimerais bien tricoter des choses en intarsia. Je trouve que c'est assez sympa de pouvoir dessiner, ajouter des motifs. Enfin, je suis curieuse par rapport à ça je ne me suis pas lancée encore. Ouais, donc, mais on voit passer de chouettes réalisations, des beaux designs sur Instagram. Donc, c'est vrai que ça fait envie ça donne envie de prolonger ce travail de jacquard un peu différent du jacquard ferraille. Ou à fil tiré. Oui, voilà. Tout simplement. Et comme on a plein d'idées et d'envies, ben on essaie de se canaliser en se donnant un peu des thématiques. Donc on s'est dit pourquoi pas l'intarsia la prochaine fois. Un petit challenge. On s'était même dit pourquoi pas l'intarsia aujourd'hui. Et c'est en ça. Fait, non. Non, on a exclu cette option. Voilà. Donc ce sera une de nos thématiques. À venir. Il y a un gros animal qui nous a rejoint, mais je peux essayer de la présenter. Oh là là, un petit peu, voilà, c'est Samba. La voilà. Samba. Hein. Il est là pour un petit câlin. Et puis, bah, on va s'arrêter là pour nos bavardages. On a fait le tour. On a fait ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Ouais. Hein. Et puis, on va vous dire au revoir et on va vous laisser sur quelques images de notre environnement, de là où on se retrouve à l'extérieur. Voilà. On vous retrouve, on ne vous dit pas quand parce qu'on ne sait pas. Bientôt. Mais bientôt. Ce plan logistique qu'il faut qu'on arrive à remettre au point un autre. À remettre au point un rendez-vous et caler ça avec ou des vacances ou des week-ends ou c'est pas ou le faire à distance ou le faire à distance, ça pourrait aussi se faire en écran partagé éventuellement. Voilà. On va voir ça, mais voilà, on était contente de passer ce moment avec vous et on a hâte de venir vous montrer, on a hâte de vous retrouver pour la suite. Voilà, à bientôt et merci, à bientôt.